Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Réveil d'Afrique. Avant de commencer, nous tenons tout de même à vous rappeler que ceci est une vidéo juste à titre informatif et non pour inciter les gens à la haine. Raison pour laquelle nous allons vous prier et vous demander de rester courtois dans vos commentaires. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tour du côté de la Guinée-Conakry où le limogeage du Premier ministre Dr. Ben Agoumo est attendu. Qu'est-ce qui se passe réellement? Qui veut la démission du Premier ministre? Alors, nous savons tous que le Premier ministre Dr. Ben Agoumo, dans sa tentative de négociation avec les forces vives de Guinée, a en fait échoué. Ce qui pousse beaucoup de personnes à croire que Mamadi Doumbouya devrait en quelque sorte demander sa démission comme il a fait avec beaucoup d'autres personnalités du pays qui ont été incapables d'être à la hauteur de ses attentes. Mais la principale raison du limogeage du Premier ministre Dr. Ben Agoumo n'est autre que lié à l'affaire de l'évaluation ministérielle. Il y a eu certains ministres qui ont eu la note de zéro et autres. Et parmi les ministres qui ont eu des zéros, il y a certains qui sont très proches du président Mamadi Doumbouya. Et ce sont ceux-là qui, dans les coulisses, sont en train de mettre la pression sur le colonel Mamadi Doumbouya pour qu'il limoge le premier ministre Dr. Ben Agoumo. Et nous vous rappelons que lors de l'évaluation ministérielle, le ministre de la Défense, qui n'est autre que le beau-père de Mamadi Doumbouya, n'avait pas été évalué par le premier ministre Dr. Ben Agoumo. Et certains ministres encore proches de Mamadi Doumbouya qui ont été évalués ont eu des notes passables zéro et autres. Ce qui a donc suscité une rancune entre ces ministres proches de Mamadi Doumbouya et le premier ministre Dr. Ben Agoumo. Ce qui a donc facilité les négociations pour demander auprès de leur ami Doumbouya de limoger le premier ministre Dr. Ben Agoumo. Alors, le premier ministre sera limogé dans les prochains jours. Et on pense que cela sera officiel le 3 octobre, car Mamadi Doumbouya devrait annoncer une série de décrets ce 3 octobre. Et parmi ces décrets, il devrait avoir un décret pour faciliter le limogeage ou bien pour confirmer le limogeage du Premier ministre Dr. Ben Agoumo. Eh bien les amis, c'est ici que prend fin ce tout petit bulletin d'information. Restez abonné, restez à la chaîne, partagez si vous la trouvez intéressante. À très bientôt.